Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Death Stranding. J'espère que tout le monde va bien. Donc j'ai récupéré des marchandises perdues hors vidéo dans mon coin pour lui en l'occurrence, et pour comment s'appelle le porteur chevronné, une installation qu'on n'a pas encore trouvée. J'ai réussi à trouver cette marchandise, alors je sais pas comment. Elle était au milieu des échoués, donc c'était la guéguerre. Et je crois que je l'avais fait avec vous en vidéo, en plus je sais plus. Et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Puis c'est tout. Donc là je vais livrer tout ce que j'ai trouvé pour lui. Y a rien en plus? Non, il y a rien en plus. Enfin, il me semble. Si, voilà. Voilà, il y a ça, porteur chevronné. Je vais pas la confier, je vais la garder. Le porteur chevronné, je sais pas du tout, hein, parce que dans ma partie perso que j'avais fait, je ne l'avais pas fait. Je sais pas du tout où il se trouve, où il est. Alors, bon, je pense pas qu'on va avoir toutes les étoiles manquantes. Mais enfin voilà, 4 étoiles, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais accepter une commande pour lui-même, à partir de son terminal à Hartman là. Marchandises attribuées au porteur en attente de collecte. Un cryptobiote. Et celui-là, il est pas mangeable celui-là. Si tu le manges, celui-là, c'est pas bon. Accessoires de sac à dos, cryptobiote. Merci de votre soutien sans faille. Au travail. Nouvelle com. Voilà ce que je vais faire. Donc la livraison que j'ai fait des marchandises, non. Casier privé. Voilà. Ça, je vais le mettre dans le casier privé à l'attendant. Et je vais accepter une commande pour lui-même, là, comme je disais, ici. C'est celle-là. Donc c'est quoi? C'est récupération. Œuvre liée à la grève venant de la ville en ruine. On va la prendre en premium. Il faut en prendre au minimum 3. Jusque-là, c'est pas compliqué. Je pense que la difficulté, c'est au niveau des échoués, peut-être. Est-ce que je me fais ça? Je sais pas. Pourquoi ouais, je me fais ça en plus? Allez. Allez, on met tout sur le dos et on y va. Commande attribuée. Accrochez-vous. Bien, moi je pars. Mais j'ai même pas regardé c'était quoi les dangers. Bon, apparemment il n'y a pas d'échoué. Apparemment, il n'y a pas d'échoué, donc ce serait où? Là-bas en haut? Bah, vous savez quoi? Je vais utiliser les tyroliennes. Les tyroliennes que j'ai placées en vidéo avec vous et certaines que j'ai pas placées avec vous. Vous allez voir. Enfin, mais je crois que je les ai toutes utilisées, je sais plus. Par contre, il faudrait vraiment que je fasse reposer ça, là, parce qu'il n'en peut plus. Ah mince! J'aurais dû prendre un petit peu de batterie. Ouais, non, attendez. Je vais retourner à un générateur. Parce que j'ai besoin d'énergie par rapport au matériel qu'on a. Il y a un générateur là? Ah ouais, il y en a. Voilà, bon, il est où? Il est là-bas. Ouais, parce que là, Sam, il commence à être un tout petit peu éclaté au sol. Mais vraiment un tout petit peu, ouais. C'est quoi qui se charge là? C'est bon, tout est chargé? Allez, là cette fois-ci, on est bon. On peut faire la. Aller récupérer les commandes là. C'était où? C'était là, non?
Ouais, c'est bon. Ouais, bah c'est juste là en fait. Donc, je suis peut-être un petit peu trop monté, je sais pas. On va voir s'il y a moyen de descendre, je pense que oui. Mais... Hop là. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de descendre tranquillement, sans se casser la gueule, j'espère. Ouais, par ici. Ben voilà, il enfin, y a rien de compliqué là. Hein. Enfin, attends, je dis pas de bêtises quand même. Bon, au pire, j'ai pas de marchandises sur moi, mais bon, c'est pas tellement conseillé. Est-ce que je m'apprête à faire? Oulala. Ça passe. Ouh, ça passe, ça passe. Oui. C'est vite dit que ça passe. Allez, bon, je pense qu'en fait le danger c'est les éboulements, peut-être. Je dis ça comme ça, je sais pas. Oulala. Il est incontrôlable là, Sam. Ah ouais, complètement incontrôlable. Bah, pourquoi il grimpe pas là? Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, pourquoi pas. Voilà, on a une commande, enfin une commande, une marchandise. La deuxième. Oula. Je sais pas s'il y a un problème avec ma manette ou si c'est le jeu qui est vraiment très. Comment dire, pointilleux, mais ouais. On se casse la gueule facilement là. Bah, les marchandises pour le premier prepper, je m'en fous maintenant. Voilà. Bah, je vais passer par là parce que s'il y a des marchandises pour Hartman, je vais les prendre. Tant qu'à faire, ma foi. Un roboticien, on s'en fout. Je regarde en même temps les marchandises, hein. Enfin, c'est pour ça que je dis rien. Ah, laboratoire de Hartman là-bas. Je vais passer par là. Enfin, j'espère que c'est une bonne idée. Par où je peux descendre par là? Allons-y. Trouvons des chemins safe. C'était où là? Ah ouais, c'était là-bas. Bah, faudrait vraiment que je fasse reposer ça, mais parce que là, plusieurs fois que je le dis, mais là, il n'a pas l'air en forme. Allez, normalement, avec cette commande là qu'on va honorer, on va obtenir la dernière étoile. Hartman, normalement, bien sûr. Après, ce que je dis, c'est pas une science exacte. On verra bien, bien sûr. Est-ce
que je peux passer par ici, s'il vous plaît? S'il vous plaît, le jeu. Oui, je peux passer par ici. Merci, le jeu. Et voilà, une bonne chose de faite. Allez, maintenant, on... Ah, normalement, ici, il y a des échoués. Ah bon? On peut le même plus, c'est quoi? Ah si, oui, c'est vrai qu'il y a des échoués, là. Voilà. Bah le Arkman, moi perso, je le trouve quand même assez bizarre. Ok, il a perdu sa famille, tout ça, mais faire des arrêts cardiaques toutes les 21 minutes, c'est chaud quand même, hein. Allez. Allez, faisons la livraison avec la marchandise perdue. Je pense que nous allons obtenir la dernière étoile. Je ne suis pas sûr, mais normalement oui. Livraison. Voilà, bon là ce que je fais c'est de l'annexe, hein, bien sûr. Livraison terminée. Affichage de l'évaluation de performance. Voilà. Allez. Non, je pense pas qu'on aura la dernière étoile. Voilà. On ne l'aura pas. Merci de votre Voilà, votre merci travail. De votre soutien sans faille. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Maintenant, si je regarde là au niveau des commandes standards, est-ce qu'il y a autre chose de possible? Je crois pas, hein, mais bon. Bah alors, vous savez quoi? Je vais juste aller faire reposer Sam. Ah, il faudrait vraiment que je le fasse reposer parce que là, franchement, ça va être compliqué. Désolé, mais bon, ouais, j'ai pas trop le choix. Est-ce que... J'ai quoi dans le casier privé, là? Fusil d'assaut, le blindage, le CCP de niveau 2... Bah, faut pas que j'oublie que j'ai ça. Pour le porteur chevrodé. Je vais aller faire reposer ça, mais tant pis. On verra bien. En fait, l'échelle, on en a pas besoin. Merci quand même. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est une blague. Le jeu il bug, je voulais choper l'échelle. Bon, attends, je m'occupe de toi, bébé. Jetez un coup d'œil à bébé. Hop, on va le bercer. J'en ai marre de faire des chutes dans ce jeu. Je crois que c'est la quatrième que je fais dans le jeu depuis le début de la game. Alors on a des marchandises, mais on s'en fout. Je veux juste aller faire reposer Sam quoi. Chez le docteur, non. Je vais plutôt aller à la ville relais des montagnes. Ça va être long, mais bon. Ah non, là je peux pas me shooter. Ça va pas trop le faire. Pourquoi il y a un panneau là?
escalader. Ah, je suis obligé de faire tout le tour quoi. Oh bah allez, hein, c'est plus le tour. Hein. Ah là-bas il y a une tyrolienne, peut-être que c'est moi qui l'a placée, je sais plus. Vu qu'elle est bleue, je pense, je suis pas sûr. Mais là il faut vraiment que je le fasse reposer ça, parce que là ça va pas trop le faire. Oh non, c'est une blague. Par où suis-je censé passer là? Je comprends pas trop. Comme ça, si je le fais reposer, bah après on va être tranquille quoi. Ça va un petit moment parce que là ça fait un moment que je l'ai pas fait reposer. J'ai fait je sais pas combien de livraisons. Allez, je pense qu'on va prendre la tyrolienne qui est ici. Là. Et puis en même temps ça va me permettre de trouver des marchandises, peut-être des commandes, voir. Ouais, c'est moi qui ai placé ça ici, je me rappelle même pas, tu sais quoi. Ah bah voilà. Allez, je vais regarder s'il y a des commandes pour... Des commandes intéressantes, en fait. Alors, au niveau des commandes ici, on a quoi d'intéressant? Roboticien, non, non plus. Je m'en fous. Oui, il y a ça, mais je m'en fous. Ouais, il y a ça qui est... Ouais, ben voilà. Grand cru. Ok, ben pourquoi pas, ma foi. Je sais pas si... Est-ce que je peux la prendre? État de la marchandise. Ouais, je peux la prendre. Je vais la prendre. En premium, bien sûr. Et bon, je vais mettre tout sur le dos. Voilà. Et je vais faire reposer Sam à la ville relais des montagnes. Tiens, si je te... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Utiliser la tyrolienne? Pourquoi tu fais ça? Alors il m'a fait le même coup avec l'échelle là. Par contre, ouais, c'est un peu tordu. Là où nous pose, là où la tyrolienne nous pose. C'est sympa. Allez, ça je vais le récupérer aussi. Tant qu'à faire. Quoi comme marchandise ici? Ah, il y a même un truc pour le géologue là-bas. Je vais essayer d'aller d'aller prendre ça. Mmh.
Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Bon, pour le moment, ça va. Je trouve qu'on progresse plutôt vite, même si, bon... Ça reste quand même assez compliqué, puisque ben, c'est dans les montagnes, c'est pas évident. Je trouve que ça sort plutôt bien, moi, perso. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, ça je prends. Et elle est là-bas, l'autre. Voilà, bon, on est à 68 kilos, on va se calmer. Parce que si je veux prendre une commande pour Hartmann ou le géologue là-bas, ça va pas trop être possible, je crois. Mais pas trop. Voilà, bon, allez, on va faire reposer Sam. Tout le tralala. Hop, il en reste un. Hop, voilà. Truc qui sert pas à grand chose. Voilà, tout est remis à neuf. Enfin, à neuf. Les caisses sont remises à neuf. Ouais, on va faire se reposer d'abord. Je vais faire recycler parce que je viens d'utiliser et de finir un spray colmatant. Donc, des sprays colmatants, il m'en reste deux. Je vais me refabriquer du spray colmatant parce qu'il n'y en a jamais trop. Hop, on va le mettre. Bon, on va accrocher à la combinaison. Mais là où il n'y a rien, du coup. Donc, un ici et l'autre sur le dos. Voilà, bon, l'esprit colmatant, c'est très important. Hein. Au niveau des commandes. Commande pour Sam, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est... Oui, d'accord. C'est la pizza. Pour Peter Engler. La pizza... ça va être compliqué. Soit je passe par la route, soit je sais pas. Mais bon, moi ce qui m'intéresse surtout c'est ça ici. Roboticien, alpiniste, photographe, spirit... docteur, voilà, bon, il y a ça, 100 kilos, ça va être trop compliqué. Cosplayeuse, fils du romancier. Et pourquoi pas, si je la prends en premium, c'est quoi? Allez, on va prendre ça. Et puis au pire, je reviendrai pour le géologue hors caméra, hors vidéo. Voilà, bon là, avec Hartmann, je suis sûr qu'on a fini. On a fini, on va avoir les 5 étoiles avec tout ce qu'on a sur le dos. Là, au niveau de la moto, on s'en fout. Et voilà. Enfin, partir. On va plutôt faire reposer Sam. Mais... Parce qu'on est venu pour ça aussi. Se reposer dans la chambre privée. Allez, tout est remis à 9, à 100%. Ah, faudrait que je change les chaussures aussi. Parce que je viens de m'en rendre compte que ça pue un peu au niveau des chaussures aussi. On va lire les mails, tranquille. Et puis après, on va sortir pour aller voir Hartmann. Une poche de sang a été rajoutée, tout ça, tout ça. Ben on va faire la douche, les pipis, les cacas. Bon, on va passer, sinon on va pas s'en sortir. Sans déconner. Qui a envie de voir quelqu'un faire ses besoins? Non mais sans déconner. Voilà, donc 5 grenades quand même. Bon, il y en avait un peu besoin.
Bon, au moins on va repartir à bloc, quoi. Eh tiens, on va en bouffer un, pourquoi pas. Allez, on va aller voir un peu le terminal, les mails, ce qu'on a débloqué, tout ça, tout ça. On en a un de mail et c'est le géologue. Je ne serai jamais Hartmann. Cher Sam, grâce à vous, je suis complètement guéri et j'ai pu reprendre mes recherches. J'ai également compris une chose très importante. La science de base seule ne suffira pas à résoudre les mystères du Death Stranding. Non, ce à quoi nous sommes confrontés requiert quelque chose de spécial, une sorte de génie. C'est bien ça qui est écrit, parce que je suis un peu éloigné en fait. Vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas? Hartmann, c'est l'esprit le plus brillant de sa génération, et qui plus est, il est atteint du Dooms. Je vais vous faire une confidence, il n'y a pas si longtemps encore, j'aurais voulu être comme lui, mais plus maintenant, pas après cet accès de contamination qui râle. Non seulement je sais que je ne pourrai jamais être comme lui, mais j'en suis heureux. Je ne le supporterai pas, je ne pourrai pas endurer les cauchemars et le fait de vivre en permanence dans l'ombre de la mort. Le destin l'a peut-être épargné sur certains points, mais sur d'autres. Disons que maintenant je comprends sa souffrance et la vôtre également. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous rendre la vie plus facile, faites-le moi savoir. Je sais que je ne suis pas le génie qui résoudra l'énigme du Death Stranding, mais je peux apporter ma contribution. Ok, monsieur. Bah, au niveau des musiques, je crois qu'on l'avait vu aussi, la musique, je sais plus. Bah, voilà. Bon, allez, on va aller vers le labo de Hartmann. On va quitter la chambre. Quittais-je la chambre privée? Bon, ça, on l'a déjà vu. Ça suffit. Allez, on est parti. Faites bon voyage. Je vais reprendre les tyroliennes hein, pour aller plus vite. Oh, pour moi, c'est une très bonne idée de reprendre les tyroliennes. Ça va nous faire gagner du temps. Ah, c'est les chaussures que j'ai oubliées. Bah, c'est pas grave, au pire. Je le fais au labo de Hartmann. Y'a pas de soucis. Allez, utilisez la tyrolienne. Et après, il faudrait que j'aille là-haut. Bon ben au moins ça nous aura fait gagner du temps. Et c'est là le jeu il me jette dans le vide là. Franchement ce serait du joli. Donc ça c'est le laboratoire de Hartmann. Que je suis passé par là tout à l'heure, je sais plus honnêtement. Non, je crois pas. Non, non, je peux pas passer par là. J'ai essayé de descendre par là tout à l'heure. C'est quoi ça là-bas? Laboratoire de Hartmann. Ouais. C'est un petit peu trop loin, je vais pas faire tout le tour non plus. Par où je suis passé tout à l'heure, je sais plus. Ville relais des montagnes, on s'en fout. Oula.
Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un rocher, tout est blanc en même temps, c'est un peu compliqué. Si je prends cette tyrolienne là, est-ce que c'est bon? Pour les affaires. Il est où? Ah, il est là-bas en plus. Non, je pense pas que ce sera bon, mais. Ah oui, je vois où on est. Ah tiens, il y a un abri anti-précipitation, je vais l'utiliser. Voilà, ça va remettre les marchandises propres. Voilà. Allez, normalement, avec Hartman, on va avoir les 5 étoiles. Ça, c'est sûr. Donc, petit coup de spray colmatant comme d'habitude. Allez, normalement là on est tout bon. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour qui? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour Hartman. Enfin, c'est... Il n'y a que des colis pour Hartman là. Livraison. Livraison terminée. Affichage de l'évaluation de performance. Allez, pour la première. Ouais. La deuxième. Et ça, c'est les marchandises perdues. Ben non, même pas. On n'a même pas les 5 étoiles. Putain, c'est bien long. Merci de votre soutien sans faille. Ouais. Merci de votre souffrance sans faille. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Ah, peut-être qu'il y a des nouvelles trucs. Je sais pas, des nouvelles commandes. Ça m'étonnerait, mais bon. À part ça. Pour le paléonologue, mais ça on le fera plus tard, pas de souci. Ouais, non, il n'y a plus rien. Je vais retourner à la ville relais des montagnes. Ouais, je vais retourner à la ville relais des montagnes. Tomber. Il veut pas la prendre à chaque fois. Je me demande si c'est pas mieux de mettre un CCP niveau 2 ici en fait. Ça couperait le... Ouais, je sais pas. Je verrai plus tard. Allez, je vais juste aller à la ville relais des montagnes et puis je couperai la vidéo là-bas.
Je me remettrai le matériel au neuf pour continuer notre ascension avec Monsieur Sam. Pourquoi ça le chope pas là-bas? C'est quoi ce délire? Ouais, la tyrolienne elle est pas si bien placée que ça. Oula. Oula. Il a réussi à grimper, alors je sais pas ce que c'est ce bug là. Là il y en a un qui est mort là, c'est sûr. Avec toutes les marchandises qu'il y a là. Elle est où la tyrolienne que j'ai vue là? Elle est là-bas. Bah, en même temps, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres commandes pour Hartman, hein, ma faute à faire puisqu'on descend. Allez, est-ce qu'on a des choses nouvelles ici? Ça m'étonnerait, mais je regarde dans le doute. Non, ici on n'a plus rien. Enfin, on n'a plus rien. Il y a des commandes, hein, mais ça sert plus à rien. Je devrais peut-être me recycler les chaussures. Je dis ça comme ça. Allez, les chaussures. Voilà, elles sont là. Et normalement, j'en ai pas là sur la sangle pour bottes. Bah non, j'en ai pas. Comment ça se fait? Ça a pas un peu bugué? Ou alors j'ai oublié de m'en faire, c'est pas possible. Allez, fabriquer un équipement, et eh ben je vais m'en refaire, hein, ma foi. Accrocher là et mettre des chaussures. Merci pour votre contribution. Fin de l'interdiction des armes. Allez, on va aller plus vite, comme d'hab. Hein. Un peu bancal l'arrivée. Un jour, je vais prendre une tyrolienne qui va me jeter dans le vide. Je vais pas comprendre ma vie. Allez, bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira ou vous a plu. Je vais continuer sur une autre vidéo. Hein, vous l'aurez le lendemain, vous, c'est sûr et certain.
Voilà, donc comme d'habitude, restez pisse et vous laissez les autres. Et prenez soin de vous. Salut, ciao et à la prochaine.